Emmanuel était suivi du regard pendant d'une ire entre Liv et lui d'un mari au premier regard ce lundi 3 avril 2023 sur 06. En zouk, le petit frère de Liv tout de compte passe les ces derniers. Il remarque effectivement les beaux comportements d'Emmanuel Tobé est-il sincère pendant la cérémonie après avoir passé les bagues au doigt de Liv, Emmanuel est pris parti par Enzo. Ce dernier décide de discuter avec lui en aparté. Emmanuel est lucide depuis le début, j'ai vu son frère qui me regardait. On n'est pas trop parlé. Ça me met un petit coup de pression. Je pense qu'il est protecteur par rapport à ses sœurs. Ça me fait un peu flipper. Il est manifestement mis sous pression. On s'écarte Emmanuel des autres convives. Le jeune homme révèle face caméra que je suis un peu amer que l'ancienne. C'est important d'avoir des valeurs saines. Je vais le tester pour voir si ses réponses sont à l'auteur de mes attentes. C'est mon beau-frère et je t'ai envie d'avoir quelque chose de vous face à moi. Je veux voir un homme. Enzo semble avoir lui-même des critères bien définis. Dans cette même soif, elle est submergée par l'émotion et pleuve, j'ai encore des appréhensions et je ne sais plus comment ça va se passer. Très émotive, les jeunes femmes avaient déjà été là lors de l'essayage de ses robes avec ses amis. Enzo va-t-il trouver Emmanuel assez fort pour sa petite sœur? Liv va-t-elle décider d'écouter les impressionnés de son frère pour tenir compte? Marit au premier regard était retrouvée ce lundi 3 avril 2023 dès 21h10 sur M6.